Vous, monsieur Le Pen, vous êtes classé dans les extrêmes droites et vous totalisez 0,20% des suffrages, c'est-à-dire 25 000 voix environ. Vous aviez un sortant, vous avez un élu, et même si ce score est modeste, vous avez maintenant la parole au nom du Front National. Oui, permettez-moi d'abord de combler une lacune de votre revue de presse. Je m'étonne de ne pas voir dans cette revue de presse le quotidien parisien de droite présent, qui paraît déjà depuis plus de 3 mois et qui donne en quelque sorte le commentaire des nouvelles. Et personnellement, je pense que suggérer à votre collaborateur de le faire figurer, ah, écoutez, serait votre service d'abonnement doit être mal fait, parce que c'est la première fois que je le vois. Ah bon, écoutez, je pense que vous êtes mal informé. C'est probablement toujours cette fameuse pudeur de la droite. Et je voudrais d'abord contester, si vous voulez, enfin, tout le monde conteste et tout le monde est content, à la fois dans les journées électorales. Le chiffre de 0,20%, pour une raison qui est très simple, la droite nationale, le Front National et quelques autres mouvements présentaient 50 candidats. Comme tous les petits mouvements, pour des raisons, et il n'y a pas de honte à le dire, strictement financières, puisque nous sommes dans un pays où seuls les grands partis ont la chance d'abord de se faire entendre à la télévision et à la radio, et d'autre part de se voir rembourser leur campagne, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas le cas des petits mouvements, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite. Et bien évidemment, quand on compare 50 candidatures à 2000 circonscriptions, on arrive à des chiffres, en fait, et je me permets de citer mon quotidien habituel, je constate que par exemple, nous avons fait dans la Drôme 6,60%, dans l'Isère, un de nos candidats 10,34%, à Dreux 12,77%, à Dreux encore 9,36%, où le maire, et Mme Gaspard, perdra probablement sa mairie l'année prochaine. Deux autres encore dans ce département, 5,5 et 5,30. Par conséquent, les candidats du Front National ont des raisons de se satisfaire, comme tout le monde, de ces résultats électoraux. Ils donnent la consigne pour le deuxième tour de voter, bien sûr, contre les candidats de la majorité. Ceci, cette nuance, pour permettre éventuellement des votes pour des divers gauches anti-marxistes, que nous n'avons a priori aucune raison de battre particulièrement. Bien, M. Le Pen, je vous remercie. Il est 13h05, je referme ce dossier politique. Gérard